Bonjour tout le monde, heureux de vous voir. Alors, je me permets cette petite vidéo pour vous présenter les vidéos qui vont suivre, c'est-à-dire les 12 travaux de l'Église selon moi, que j'ai parfois intitulé les 12 travaux de crucifix missionnaire québécois. Alors, en hommage à Astérix que j'aime beaucoup et qui avait justement eu une BD qui s'appelait les 12 travaux. On était dans tout cet effort de la synodalité et cette église, notre église catholique qui veut se mettre à l'écoute du peuple chrétien. Et je trouvais que je répondais mal aux différents formulaires qu'il y avait en ligne pour répondre aux questions. Je trouvais que les questions n'étaient peut-être pas directement sur ce qui pose problème et beaucoup en superficie. Alors ça, j'avais vraiment un agacement profond par rapport aux efforts face à la synodalité, et j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Et ça a eu plus d'impact que j'aurais prévu. C'est-à-dire que quelques-uns d'entre vous ont voulu présenter les 12 travaux à leurs évêques. Il y a certains d'entre vous qui m'ont invité à la radio. Donc, on s'est retrouvé avec un peu plus d'ampleur que ça avait. Et je me suis dit, ben avant de me retrouver à la radio, je vais prendre le temps au moins de verbaliser pour moi-même devant une caméra. Et comme ça, ben n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires. S'il y a des points qui sont pas clairs, ça va me faire plaisir de les préciser. Cette première capsule vidéo a pour objectif premier de faire la nomenclature des 12 travaux. Et dans les commentaires, j'aimerais surtout que vous me disiez quel travail que l'Église devrait faire, quels travaux que l'Église devrait faire et que je n'ai pas nommé. La vérité, c'est qu'on a tous des angles morts. Si je suis un homme, j'ai mon vécu d'homme, je n'ai pas celui d'une femme, c'est un angle mort. Je suis un homme marié, je ne suis pas un célibataire, c'est un angle mort. Je suis un homme qui arrive à 40 ans, j'en ai pas 20, ça veut dire que j'ai pas celui d'un jeune en église. J'en ai pas 80 non plus, donc je n'ai pas celui d'une personne plus âgée en église. Je ne suis pas un religieux. Alors, on a tous des angles morts, peu importe qui nous sommes. Et mon objectif, c'est certainement pas de vous dire que j'ai la solution, parce que si les solutions étaient simples en Église, il y a longtemps qu'on les aurait empruntées. Alors, sans plus attendre, je fais la nomenclature, et vous n'oubliez pas par la suite, le plus important, c'est que vous nommiez vous aussi vos projets. On essaye de faire circuler la parole, faire circuler nos idées autant que possible pour que, ben, on en ressorte grandi en tant que peuple de baptisés. Alors, mon premier point, égalité entre hommes et femmes. Deuxième point, valorisation de la sexualité humaine. Troisième point, lutte à l'homophobie. Juger, ce n'est jamais aimer. 4. Oser un Dieu au contour flou. 5. Faire passer nos ressources humaines d'un mode sacrificiel à un mode qui interpelle. 6. Proposer une parole inculturée. 7. Éviter la pensée de groupe et écouter pour vrai. 8. Faire passer la liturgie en second. 9. Cesser les guerres de clochers. 10. Oser la transparence. 11. Cesser de condamner l'échec amoureux. 12. Prendre acte que nous vivons dans une société de loisirs. Alors, vous me direz que certains propos, certains titres ne vous parlent pas beaucoup. Je vous dirais peut-être d'attendre la vidéo, de voir quelle est l'explication derrière les mots. Parfois, j'ai essayé d'avoir des textes un peu provocateurs. J'ai plein d'amis en liturgie qui ont réagi quand j'ai pas proposé de faire passer la liturgie en second. Je pense que ça vaut la peine d'écouter les autres vidéos pour voir où on va avec ça, avec ces propositions-là. Et ça se peut qu'à la fin, on soit pas d'accord et ce n'est pas grave. Je n'ai pas la science infuse. Et ça va me faire plaisir de me faire contredire, qu'on fasse avancer le débat par la réflexion, par les oppositions. Sur ce, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vais essayer de publier chacun des thèmes en tant que première vidéo au cours des prochaines journées, prochains temps. J'essaie de profiter de ma COVID de cette façon-là. Sur ce, la paix du Christ soit avec vous. Je vous aime très fort.